force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Je parle à toi, tu as des pensées de suicide à cause d'une déception amoureuse. Écoute-moi bien, cet homme n'est pas l'homme que Dieu t'a destiné. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un mari meilleur. Continue à t'attacher au Seigneur. Ne mets pas fin à ta vie. Le Seigneur dit, je connais des projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille la femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière. OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la repentance tirée de notre livret collection OSB prière prophétique 2024 que je vous recommande. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages bibliques, Proverbes 28, 13 et Joël 2, 12 à 13. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Proverbes 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Joël 2, 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand de mon qu'il envoie. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, famille OSB. Première vérité, ne cachons pas nos transgressions, car elles empêchent notre prospérité. Vous voyez, ce passage dit, Proverbes 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Lorsque tu as commis un péché, je vais parler à quelqu'une, tu as avorté, ça fait des années, et tu as caché cela. Tu ne veux pas que quelqu'un sache, mais chaque fois, tu vois que ça a créé des problèmes dans ta vie. Ta conscience n'est pas tranquille. Pourquoi tu caches cela? Cherche un homme de Dieu. Confesse cela à ton Dieu devant un homme de Dieu. On va prier pour toi. Et tu verras que des problèmes que tu connais de santé vont s'arrêter. Ne cache pas tes transgressions. Je parlais à un monsieur. Écoute-moi bien. Tu as connu des blocages dans ton travail, dans ton commerce. Ton commerce, tes affaires ont pris un coup à partir du moment où tu es parti en mission quelque part et tu as chuté avec une femme. Oui, ta femme connaît cela parce que Dieu le lui a révélé. Quand il t'a demandé, tu nies, tu dis non, 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 ce n'est pas vrai. Mais toi-même, tu sais que c'est la vérité. Le Seigneur te dit, ne cache plus cela. Il t'appelle tout simplement à la repentance. Parce que quand tu caches des transgressions, ça empêche ta prospérité. La prospérité dans l'œuvre de Dieu, la prospérité du ministère, la prospérité dans les affaires. Celui qui cache les transgressions ne prospère pas. Si tu vois que tu ne prospères plus parce que tu as commis des péchés, mais tu as tenu caché. Oui, je vais parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit te convainc d'aller voir ton pasteur. Parce que tu mènes une vie double. Tu viens à l'église, tu fais semblant d'être engagé, mais tu mènes une vie double. Il y a des choses que tu as faites en cachette que tu dois avouer pour qu'on puisse prier pour toi. Mais tu te dis, oui, comme je suis déjà responsable, je suis au protocole, ça fait honte. Non, tu dois t'humilier. Tu caches cette vie-là. Tu en souffres et tu ne peux pas évoluer. Tu fais semblant. Tu fais partie même de ceux qui dirigent les cultes alors que tu sais que ta vie n'est pas propre. Tu caches ta vie. Tu mènes une vie double. Tu ne peux pas prospérer dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez dans la Bible, il y a l'exemple d'un certain Achan. Lorsque les enfants d'Israël, sous la houlette de Josué, sont entrés dans la ville de Jéricho,
Avant cela, Dieu leur avait dit clairement de ne pas toucher à l'interdit. L'or, l'argent, le bien, le bœuf, tout ce qu'ils devraient trouver dans cette ville était dévoué par interdit. Personne ne devrait les prendre. Les choses dévouées par interdit, on devait soit les détruire, les brûler ou les apporter chez les sacrificateurs. Mais Achan, comme il était seul, il a vu un lingot d'or d'une très grande valeur. Il a vu un manteau de Shinéar. C'était un manteau qui coûtait extrêmement cher. Comme il a vu qu'il n'y avait personne, il a oublié que Dieu le voyait. Je vais dire à quelqu'un, même si tu fais quelque chose en cachette dans un coin, tu t'en vas en mission, tu fais des bêtises, sache que Jésus te voit. Tu ne peux pas te cacher. C'est pourquoi David pouvait dire, où irais-je devant ta face? Tu ne peux pas te cacher. Achan a pris ce lingot d'or. Il a pris le manteau de Shinéar. On dit, il les a cachés dans ses bagages. Et ça a créé un problème parmi tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont partis à la guerre contre la vie de Haï, ils ont échoué. Un échec. Ils ont été battus. Parfois, les échecs que nous avons, les échecs que tu as, même dans le combat, l'ennemi a les déçus sur toi, c'est parce que tu as commis un péché que tu as caché jusque-là. Tu n'avoues pas. Un péché mignon. Reconnais cela. Je parle à quelqu'un. Tu as touché, tu as adhéré dans un mouvement mystique où les gens t'ont entraîné. Ils t'ont dit que si tu adhères, tu seras puissant. Si tu adhères, tu seras un grand homme de Dieu. Tu te rends compte que tu es entré dans quelque chose de bizarre. Cherche un homme de Dieu. Reconnais cela. On va prier pour toi. Tu vas te débarrasser de ce pacte que tu as signé. Deuxième vérité. Avouons et délaissons nos péchés et nous obtiendrons miséricorde. Vous voyez, il y a deux verbes clés qui expriment la repentance. Quand on parle de repentance, vous ne devez pas seulement vous limiter au niveau d'avouer. Oh, je reconnais que j'ai mal fait, je reconnais que j'ai volé, je reconnais que j'ai commis l'impudicité, je reconnais que j'ai gardé la colère, la haine. Mais il faut avouer. Et puis le deuxième verbe, c'est délaisser. Quelqu'un dit délaisser. On dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Il obtient miséricorde. Il y a beaucoup de gens qui confessent les mêmes péchés. Les mêmes péchés. Mais tu es toujours dedans. Ce n'est pas sérieux. Tu ne veux pas délaisser. La repentance, c'est aussi une décision. Une décision de changer de milieu. Une décision de rompre avec quelque chose que tu fais. Nous connaissons l'histoire de Saül. Voici un roi qui poursuivait David parce qu'il avait la révélation que c'est David qui devrait être le prochain roi. À un moment donné, David avait l'occasion même de le tuer, mais David ne l'a pas fait. Et quand David l'a appelé, il a crié, il a dit, « Ah, mon fils David, c'est toi. » Il a reconnu, il dit, « J'ai mal fait, j'ai péché contre toi. » C'est comme s'il s'est repenti. Mais il ne s'est pas repenti. Hein. Lorsqu'il avait encore l'occasion de prendre la lance, de poursuivre David, il voulait encore le tuer. Ça, c'est une fausse repentance. Je dis à quelqu'un, tu reconnais le péché, mais tu ne veux pas rompre avec ce monsieur avec du vie. Tu ne veux pas rompre avec cette fille-là. Ça, ce n'est pas la repentance. Il faut avouer et puis il faut délaisser le péché. Troisième vérité, revenons à l'Éternel. Et il se repentira des maux qu'il envoie. Vous voyez, il y a le verbe revenir. Dans Joël 2, il est dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il y a des jeûnes que nous devons organiser, qui sont des jeûnes de repentance. Il ne faut pas seulement jeûner pour demander le travail, la nomination, pour demander l'argent, pour demander le mariage. Apprends aussi à jeûner pour te repentir. Quand tu vois que ta vie chrétienne n'est plus normale, tu n'as même plus envie de prier, tu n'as plus envie de lire la Bible, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Prends un moment de jeûne de 3 jours juste pour te repentir, pour revoir ta vie. C'est comme une voiture qui va faire un vidange. Vous voyez, il y a des choses et des péchés qui s'accumulent en nous, qui sont en train de corrompre notre marche spirituelle. Et quand tu jeûnes, tu fais un jeûne de repentance pour te détacher de ce péché qui s'attache à toi. Revenez à moi avec des jeûnes et des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et il dit encore, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Quand nous revenons à Dieu, il se répand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des péchés qui entraînent des conséquences négatives dans notre vie.
Par exemple, ça peut être des maladies, ça peut être des blocages. Mais quand tu reviens à Dieu, tu te répands sincèrement. C'est-à-dire, s'il a décidé de te frapper, il ne va plus le faire. Ou bien il va arrêter. Il va arrêter les blocages que tu vis dans ton commerce, dans tes finances. C'est ça. Dieu va se repentir. Nous avons clairement un exemple dans les livres de Jonas. Dieu a envoyé son serviteur Jonas d'aller prêcher dans la ville de Ninive parce que les Ninivites vivaient dans le péché. Et Jonas est parti prêcher. Quand il a prêché, les Ninivites se sont repentis. Même les rois de Ninive s'est repenti. Je vais dire à quelqu'un, quand on parle de repentance, si tu es chef de famille, tu dois commencer par toi-même te repentir. Il ne faut pas dire à ton épouse, oui, il faut gêner avec les enfants, il faut prier. Toi-même d'abord le chef. Quand dans une entreprise ça ne va pas, les chiffres d'affaires n'évoluent pas, c'est au DG, le premier responsable, commence par te repentir si tu es chrétien. Et puis tu vas entraîner tous les personnels. Les rois s'est repenti et tous les peuples s'est repenti. Quand ils se sont repentis, la Bible nous dit que Dieu aussi s'est repenti des maux. Il n'a plus frappé la ville de Ninive. La repentance permet à Dieu de se repentir ou de ne pas nous frapper de son jugement. Si tu veux que Dieu arrête le jugement qu'il a arrêté contre toi, contre ta famille, il t'appelle à une repentance. Il faut revenir à lui de tout ton cœur. Il faut te repentir et tu verras que le Seigneur va se repentir. Tu verras que Dieu va débloquer encore sa gloire, sa bénédiction sur ta vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Adorons les rois de gloire.
Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est le roi. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, notre Dieu, qui est semblable à toi. Tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu compatissant et juste, lent à la colère, riche en bonté. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté infinie et insondable. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin qu'en croyant en lui, nous soyons pardonnés, nous soyons purifiés. Merci Seigneur pour ta bonté que tu nous renouvelles chaque jour, chaque matin. Peuple de Dieu, continuons à élever notre Dieu, à magnifier son nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans la Côte d'Ivoire profonde et dans d'autres pays africains, au Maroc, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngoumbi, faites-le. Likez et surtout partagez avec les personnes que vous aimez. Nous continuons avec notre thème sur la repentance, tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Et notre passage, c'est Proverbe 28, 13 et Joël 2, 12 à 13. Nous allons prier le Seigneur que chacun de nous puisse reconnaître le péché. Ne cachons pas nos transgressions. Prions pour tous ceux qui vivent une vie double. Ils cachent les péchés. Ils ne le reconnaissent pas. Qui ont besoin de s'ouvrir. Qui ont besoin de voir un responsable. Qui ont besoin de voir un pasteur pour reconnaître les péchés. Prions le Seigneur. Parce que ce sont ces péchés qui empêchent la prospérité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Reconnais ce péché. Amen. Nous venons de voir que
nous devons non seulement avouer nos péchés, mais nous devons les délaisser. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a peut-être un péché qui te lie, c'est comme un lien, c'est fort, tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu vas prier pour dire: Seigneur, voici ce péché me fatigue, la colère me fatigue, la masturbation me fatigue, l'impudicité me fatigue, la haine me fatigue. Seigneur, je reconnais, délivre-moi, je veux délaisser cela. Je vis dans une situation anormale de concubinage et tu m'as déjà dit de quitter. Seigneur, je vais prendre la décision de quitter, d'abandonner cette position. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions revenir sincèrement à l'Éternel. S'il y a un domaine où le Seigneur te dit que tu dois revenir à lui, tu as pris peut-être une décision mauvaise, entraînée par la colère, entraînée par les pensées négatives, Dieu te dit, il faut retourner à lui. Et il va se repentir des mots qu'il a envoyés. Nous allons prier pour que Dieu manifeste sa miséricorde envers tous ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur. Et que s'il y avait des conséquences, s'il y avait des maladies, s'il y avait des blocages financiers, s'il y avait toutes sortes de problèmes, que Dieu se repente aussi de ce mot-là au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es miséricordieux et tu pardonnes les péchés de ceux qui se repentent. Je viens au bas de ta croix. Je viens au bas de la croix de ton fils Jésus pour reconnaître mes iniquités, pour reconnaître mes transgressions. Je ne veux pas cacher mes transgressions. Car tu connais tout ce que je fais, même en cachette. Je reconnais mes péchés devant toi. Et je voudrais les délaisser. Car tu as dit, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Je voudrais délaisser les mensonges, la débauche, la colère, la haine, l'orgueil, l'égoïsme, le vol. Je m'engage à t'obéir et à marcher dans tes voies. Éternel mon Dieu, je reviens à toi de tout mon cœur. Purifie-moi de tout péché et efface mes transgressions par le sang de ton fils Jésus. Merci pour ton pardon que tu m'accordes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour quelqu'un
ça fait un bout de temps où ton commerce, tes affaires ne marchent plus depuis que tu t'es compromis avec une jeune fille. Cette jeune fille t'a volé ta bénédiction parce qu'elle était une envoyée du diable. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tu te répandes sincèrement. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu es ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, tu peux venir me voir au bureau. Je vais prier pour toi. Dieu va te relever au nom de Jésus. Je prie pour tout cela qui se répande sincèrement maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous accorde le pardon. Au nom de Jésus, que toute condamnation qui pèse sur ta vie maintenant à cause du péché que tu as commis soit annulée. Au nom de Jésus, j'annule cette condamnation. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur divine vienne. Et je déclare que Dieu se répand des mots qu'il a envoyés dans ta vie. Il se répand des mots qu'il a envoyés dans ton entreprise. Au nom de Jésus, et je libère ta nomination. Au nom de Jésus, je libère tes voyages qui sont bloqués. Au nom de Jésus, je libère le financement qui est bloqué. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours et à perpétuité. Je vais prier pour un jeune. Oui, la maladie dont tu souffres, c'est une maladie due à un péché que tu as commis et que tu as caché maintenant. Au nom de Jésus, avoue ce péché. On va prier pour toi. Au nom de Jésus. Et pendant que tu reconnais ce péché, je prie pour que la main de Dieu te touche. Et touche maintenant. Il y a quelque chose que l'ennemi a semé dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a une lourdeur que le diable a semé qui t'empêche même de prier, de servir Dieu. Je brise cette lourdeur. Je brise cette chaîne. Je déclare ta libération dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tu es libéré maintenant et que tu reprennes le ministère auquel Dieu t'a appelé. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui écoute. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous avons encore des kits. Priez avec les psaumes en 5 volumes. Venez vous en procurer à notre bureau. Nous avons une permanence chaque jour du matin jusqu'à 17h. Et nous avons encore quelques livrets. Prière prophétique OSB 2024. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h sur rendez-vous. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Kokozi à Abidjan, en face du CHU de Kokozi. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. Faisons monter notre adoration.